Où suis-je? C'est bon. Du calme. Relax. Tout ira bien. On a été plus malin. On a atteint nos buts. L'homme fera toujours mieux que la machine. Malheureusement, vous avez de bien vilaines blessures. Vous êtes stable, mais va falloir du temps. Qui êtes-vous? C'est moi, Taylor. Il faudrait peut-être vous réveiller. Non? Centre-ville de Zurich. Clin d'œil, Metal Gear Solid 5. Ouais. Attends, bah ça reprend déjà. Lui, il est connu, lui, cet acteur là. New York, c'est pas lui? Taylor? Ouais. Unité spéciale, je crois. Tu sais ce qui se passe? C'est un rêve? Bah, si on veut, ouais. Enfin, je sais pas. Autant y aller carrément, hein. Après tout, tu peux toujours te réveiller. 12 décembre 2054, 7h30. Nous sommes à bord d'un train privé à destination du quartier général de Coalescence, basé à Zurich. Nous transportons un prototype pour le projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. C'est-à-dire un logiciel d'IA spécialisé capable de se réécrire. Il pourra se connecter à n'importe quel autre système dans le monde. À l'époque, c'était de la technologie de pointe. Ça allait révolutionner un beau paquet d'applications civiles et militaires. Enfin, ça aurait, si le train était arrivé à destination. Mais ça pète tout le temps. Mais calmez-vous dans le jeu, là. 31, un groupe terroriste provoque une explosion à bord de ce train. Des années de recherche en robotique qui partent en fumée. Tu es là pour empêcher ça. C'est pas réel. C'est impossible. Qu'est-ce qui m'arrive? En ce moment, t'es dans un coma artificiel avant de te faire opérer. T'as un nouveau composant dans ton cerveau. Une interface directe neuronale, IDN. J'en ai une aussi. C'est ce qui me permet de communiquer avec toi. Ton IDN est ce qui relie ton esprit à ton nouveau corps et au monde qui t'entoure. On est connectés. Tout ça n'est qu'une simulation dans notre esprit. Et t'as du pain sur la planche. Ok. Y'a Acide qui me demande si je vais faire autre chose après, pour les non-fans de FPS. C'est pas prévu. Désolé pour toi. Mon cher Acide. Décembre 2054. 11h30, non mais... le 11 décembre 2054. Les forces de sécurité de Zurich reçoivent un appel anonyme leur indiquant la planque des terroristes. Malheureusement, ils sous-estiment la puissance de feu que ces sales fils de pute ont amassé. Ils se font prendre par surprise, et ils morflent comme jamais. Bilan, boum le train. Tu te souviens de Diaz? Je crois. Il va t'aider à t'habituer à tes nouvelles capacités super cool. La communication. On doit tous être synchro. Hey Taylor, t'es un vrai connard. Il a rien entendu. Si je veux te parler, l'IDN fonctionne sur un canal fermé. J'ai même pas besoin d'y penser. Mais, pour info, si t'envisages de traiter Taylor de connard en direct, tu vas morfler encore plus que ces robots. Ok. Voyons si tu peux y arriver sans te faire trouer la peau, contrairement à ces pauvres types. Okay. Ah, j'ai toujours pas le double saut par exemple, ok. Arrêtez de bouger, hey. Je peux pas faire de headshot si vous bougez. Donc oui, Acide, c'est bien l'acteur de Yonork, unité spéciale, on est d'accord. Mais
D'accord, il l'a propulsé. Fusil à pompe? Je sais pas, j'ai pas bien vu. Aïe. Mais ça y est, il commence à nous mettre dans des grandes maps, je comprends plus rien. Adieu. Adieu. Lui c'est un pote, oui c'est un pote. Quand le nom apparaît. Il y a toujours plusieurs chemins. En haut, en bas, à gauche, à droite. Chacun a ses avantages. Bon, on va essayer à gauche. C'est là où je suis parti. Hop. Attends, il était où? Non, il était sur le côté. Putain, j'en sais rien. Les grenades, elles explosent pas énormément, je trouve. Faut vraiment bien les placer. Putain, je sais pas. Ça a pété, je sais plus s'il y a du monde. Ton IDN peut te donner de précieuses infos pour t'aider à visualiser le champ de bataille. Passe en mode tactique. C'est comme si t'ouvrais les yeux pour la première fois, hein. Que... Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je ne vois aucune modification, mode tactique. Ah si, d'accord, ça permet de marquer. D'accord, il pète tout seul. Pourquoi il y a des marques au sol? Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout. Je sais pas ce que ça... Ouais, je sais pas. Je comprends pas les marques qu'il y a au sol. Est-ce que les balles passent à travers? Apparemment non. Ça dépend sûrement des matières. Là ça devrait passer à travers la tôle, non? Ouh. Adieu. Ok. On me dit de prendre du miel, ouais. T'es encore dans l'imagination de la meuf? J'ai rien compris. Pour l'instant, oui, je crois. Il va te falloir un peu de temps, mais ils m'apprennent à... Essaie un peu. À maîtriser. Mes capacités. Quoi? Spider-Man? Hallelujah. Pas mal pour un début. Pas mal. Le mode tactique met en évidence les dangers comme les roquettes et les grenades. Tu vois du rouge qui clignote? Tire-toi. On s'occupe d'eux. Restez ici. Ok. Bye Sora, bye Sora, bye Acide, bye Fiasco, bye à ceux qui s'en vont. On va se retrouver tout seul, à force. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, il a arrêté de courir. Bonjour, est-ce qu'il y a du peuple? Hop. Sinon, on me disait d'arrêter de faire des vidéos le temps que ma voix se guérisse. Ah, mais. J'aime trop jouer pour ça. Je sais pas si. Je crois pas que dans ces jeux il y ait des trucs à récupérer sur le terrain en explorant. Il y a des renforts dans le camion. Bah attendez, moi ils avancent sans moi là, mais please. Putain, ça pète, mais oh là là, stop. Et du coup, on peut rester en mode tactique à l'infini. Aïe. Donc là, je suis blessé partout, sauf à la tête, apparemment. Qu'est-ce qu'il a, le labi? Mais oui. Bonjour, Sorator, je suppose. Qu'est-ce qu'il raconte? Hop. Je reste, moi. Bah écoute, merci à toi. Faut que j'apprenne à utiliser les grenades aussi. Alors ça, c'est quoi? C'est du paralysant? Ouais. Sauf que je l'ai cramé pour rien. J'ai toujours pas le double saut. Hop, est-ce qu'il y a un truc là-dedans? J'en sais rien. Mais vous planquez pas. On s'en fout de la grenade, hop, on avance. Aïe, non, on s'en fout pas de la grenade apparemment. Je pensais que j'étais hors de portée. Mais en fait non. Les tactiques sont synchronisées avec le reste de l'équipe. Si l'un de nous voit un truc, on le voit tous, même à couvert. Ok. Ça passe pas à travers les portes. Bordel. Elles sont en quoi ces portes? Hashtag Soso le pro. Non. Tu m'as pas vu en multi, je te le dis moi.
Ne me la regarde, j'avance alors qu'il y a des mecs à côté. C'est génial. Oh putain, mais... Please. Prends-en d'autres si t'as besoin. Attends, laisse-moi recharger. Alors ça, ça leur fait quoi exactement? Je crois que ça les ralentit même quand ils sont dans le... Dans le champ. Renvoyé. Hop. Qu'est-ce que tu fais toi? Et voilà, dès que ça bouge, j'ai vraiment du mal à ajuster les tirs. Ah là là. Sorator, ça se termine à quelle heure? J'en sais rien du tout. Ça dépendra de si Johan rejoint ou pas. Lui là-bas, là, il a une gave là, il est planqué. On va essayer d'avancer un peu pour les faire bouger. Ah, sors-toi. Merci. Est-ce qu'on peut ajuster? Oui. Un cadeau au pif. Hop. Advienne que pourra. Hop. On recharge. Oui, il en reste beaucoup encore. Ah! Il y en a un autre à côté. Sors de là! Je crois qu'on l'a eu avec l'explosion. L'IDN nous permet de communiquer entre nous, mais aussi d'interagir avec un tas de systèmes informatiques, comme par exemple la plupart des drones de base. Pour les bipèdes, ces unités terrestres sophistiquées, c'est plus compliqué. Ces enfoirés ont une intelligence synergique. Si t'essaies d'en prendre le contrôle... Pouh! Tu te grilles le cerveau. Mais ceux-là... Ils sont faciles comme tout. Vas-y. Pirate-les. Va voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Mm-hmm. Alors on me dit les marqueurs au sol, plus c'est rouge, plus c'est dangereux. Ok. Comptes-tu faire toute la campagne? Oui, en théorie. Surtout qu'en théorie c'est pas très long. Allez, c'est parti. Détourne un drone. C'est pas bon là. Ça te va comme un gant, hein? Et maintenant il y a un générateur pas loin d'ici. Détruis-le et ça devrait ouvrir la porte. Non, je me barre. Merde. Ah, mais ça se conduit comme une crotte, ça. Non, on va éviter de se barrer. Apparemment, le signal avait l'air de s'affaiblir. Oh là là, putain, ouais, d'accord. Ah, on peut tirer, d'accord. Roquette. Mange-toi ça. Putain, non, non, génial. Je vise tellement bien. Tu veux voir un truc sympa? Tire sur ces cuves. Arrêtez, ouh, il y a trop de trucs là. Oh, ils prennent feu, c'est mignon. Pardon. Je ne vais pas tarder à décéder. À cause de cette voix là. Ah non, il était mort lui. Hop. Putain, il va finir par péter. Et voilà, j'ai le côté gauche qui est abîmé apparemment. Bon allez, j'avance. Et voilà. Fais sauter ce générateur pour qu'on puisse entrer. Un générateur. En fait, tout pète, hey. Et merde, on n'a pas eu le temps. J'ai voulu bourriner le truc. Ça passe pas. Quoi? Merde. Mais tire pas les grenades. Je me suis... Fail. Ah putain, mais ça se pilote super mal. Please. Re. Welcome back. Il prend feu, c'est mignon. Soso le malade mental. Bah non. Ah du coup lui c'est mitrailleuse, ok. Ah bah je préférais roquette, hein. C'était un peu plus swag. Salut Sora, ça va? Oui. Mal à la gorge, mais ça va. On peut pas le tabasser, lui? Apparemment, ça marche pas. Ravita, et dès que tu vois une caisse de munitions, ce serait con de te retrouver à sec en plein combat. Oui, non, mais merci. Ça fait une demi-heure que vous en mettez partout. Je les avais remarqués.
toujours pas le double saut. Par contre, j'ai bien le dérapage. Ok. Ah, sniper. Si tu veux t'amuser un peu, tu peux utiliser le détournement sur cette tourelle. Quelle tourelle? Qui? Il me dit qu'il y a une tourelle, mais je vois pas ce que c'est. Allez où la tourelle? Quelle tourelle? Please. C'est quoi la tourelle? Utilise ton environnement. Tire sur ces cuves. Bon, ils m'ont parlé d'une tourelle, j'ai pas compris. Je vais crever comme une merde. J'y vais, à plus Kiki. Le prochain live GTA 5, je ne sais pas. Ce n'est pas prévu. Mais du coup là je peux directement prendre contrôle de la tourelle. Bien joué. Maintenant utilise la contrôle et décimée. Headshot. Bitches. C'est l'heure du DC. Allez hop. Non, ils ont jeté une grenade je crois. Elle peut pas la renvoyer, c'est une tourelle. Elle a pas de main. Arrêtez de me faire des dégâts, je vais finir par mourir là. Hop. Y'a quelqu'un derrière? Non. Ça vient que de devant apparemment. D'accord. Comment je quitte? Carré. Ces abrutis pensaient que leur tourelle les protégerait. Ah, j'aime pas cette arme. Je peux les bousiller les tourelles quand même, non? Aïe! Arrêtez Ils veulent ma peau là. Tomb Raider, je compte le faire, mais bon, comme il sort sur Xbox d'abord, je ne sais pas trop. Et du coup, Joanne ne pourra pas venir. 15 heures de mage, mais c'est pire que Asnes. Hein. Asnes, c'était 1h30. Hein. T'as vraiment une connexion de qualité, malheureusement. Mais arrêtez de me tirer dessus. Tourelle en mousse, là. Je t'ai vu, toi, là-haut, là. Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Hop. Bah du coup apparemment pas de multi ce soir, donc le live ne va pas s'éterniser je pense. Après je sais pas Johan si tu veux faire un peu de Minecraft ou autre chose. D'ici quelques dizaines de minutes, il y a moyen. Hein. Ah. Arrêtez. Bonjour monsieur. Ah, qui me tire? Dégage. Je me suis peut-être un peu trop approché là. Cadeau. Putain, la grenade. Je ne sais pas du tout les gérer. C'est une catastrophe. En parlant de grenade, ça va péter. Eh ouais, les merdes. J'ai trop avancé. Oh putain, je recommence toute la salle, mais please. Rechargement. Garde un œil sur ton ATH. Si tu veux t'amuser un peu, tu peux utiliser le détournement sur cette tourelle. Allez, on va faire un peu plus attention. Donc demain 13h avec Johan apparemment. Ok. Non mais. Qui me tire dessus là, putain? Montrez-vous. Utilise ton environnement. Tire sur ces cuves. Oui non mais je vais pas tirer sur les cuves s'il y a personne en dessous. Quel est l'intérêt? Sortez de vos cachettes. Parce que là, il n'y a personne hein, quand j'avance avec la fille au début. Comme par hasard, il se pointe juste après. Et puis, ouais. Mon corps devient complètement invisible. C'est bizarre. Hop. Qui, quoi? Putain, mais arrêtez, non? Aïe. Il n'y a plus de tourelles. Ils sont où? Putain mais il prend toute la place lui. On va plutôt prendre le contrôle de la deuxième tourelle. Hop. Bye bye. Ah mais si vous vous cachez derrière le mur ça va pas le faire. Hein. Hop hop hop. Ok.
Ok. Montrez-vous. Merci. Ça demande du zombie. Mais du zombie en solo, je sais pas si c'est vraiment très intéressant. Je pourrais en faire tout à l'heure quand on aura vraiment passé un palier dans le scénario. Il n'y a plus personne. Ah si, bonjour monsieur qui se manifeste au dernier moment. Trop duc. La planque de la faction est droit devant. Une fois à l'intérieur, connecte-toi à la console centrale et extrais un max de données. Ok. Respire à fond et dis-moi ce qui s'est passé. J'étais en Éthiopie. Les bots. J'ai revécu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde. Tes sens peuvent déclencher des souvenirs très précis. Tu te souviens de sons, d'images, de paroles de chansons. Tu penses à des trucs auxquels t'as pas pensé depuis des années. L'IDN peut rendre ça beaucoup plus réaliste. Des hallucinations visuelles, des sortes de murmures. Ça peut arriver. Le docteur peut arranger ça. On devra juste adapter tes médocs. Crois-moi, ça va aller. On fait quoi maintenant? Ok, maintenant, tu peux accéder à cette console. Dès que tu seras connecté, tu pourras extraire et traiter des données en un rien de temps. Compris. Ils avaient une taupe à l'intérieur. C'est quoi l'essence? Leur contact aurait pu leur fournir tout ce qu'il fallait pour contourner la sécurité à bord du train. Avec cet assaut bâclé, les forces de sécurité ont mis 6 heures à obtenir cette information. Bilan? Boum le train. Ça t'a pris 6 minutes. Et ça lui en aurait pris 5, si tous ces robots l'avaient pas fait flipper. Et on fait quoi maintenant? Maintenant on va trouver ce fils de pute. Ça lui est dit... Shadow a eu un accident. Et bah dis donc, c'est la période. Renseigné par ses potes terroristes. La taupe les attendait. Il avait tout plein de machines de combat avec lui. Pour changer, les forces de sécurité de Zurich ont sacrément morflé. Bilan. Boum le train. On l'a perdu. On l'a perdu. Tu te souviens de la spécialiste Sarah Hall? Elle va te guider pour la prochaine partie. Fais exactement ce qu'elle te dit. C'est moi qui l'ai formée. Elle était spécialiste du renseignement quand ça voulait encore dire quelque chose. Avant l'IDN, il fallait lire des livres. À l'académie, Taylor m'en a fait lire plein des comme ça. Oui, certaines connaissances exigent du travail, de l'attention. Et donc du temps. Mais le temps, on l'a pas toujours. Ok, à nous. À partir de maintenant, la simulation va se détacher des faits. Mais ça aura toujours l'air aussi réel. Utilise ton imagination. Mais même elle, elle est connue. La blonde, là. Fallait connu, c'est une actrice. On me demande s'il y aura un live après celui-ci. Je ne crois pas. C'est quoi, c'est encore une tourelle? Non, pas du tout, c'est un mec. J'ai rien dit. On a encore changé de gun? Ah, j'aime pas le viseur. Et ça se détruit un jour, ces trucs, ou pas, là? Oh, putain. Oh, ça se passe mal. Hop. Putain, mais ça faut. Pff, ouais, pour réussir à le gérer, ouais, laisse tomber. Ça va être compliqué. Et attendez. Y'a rien à faire à cet étage, faut descendre. Il est en fuite. Il est pas assis derrière l'ordi. J'arrive, attends-moi. Il peut les contrôler, c'est qu'il a une IDN aussi. Salut. Je te l'accorde. Pas de dégâts de chute.
Apparemment non. Pas de problème là-dessus. Bravo, c'est comme ça qu'on fait faire la critique. Cet enfoiré court encore. Mais, d'accord, le sous-foiré, merci beaucoup. Ça fait plaisir, c'est ultra swag. Est-ce qu'on peut tuer les civils? Utilise ce panneau pour atteindre l'autre bout du... Merde, on peut. Elle s'est désintégrée. On va le perdre. Oui, non, mais... Hop. C'était juste pour voir si c'était possible. Wouhou. Oui, mais j'ai pas vu où ils sont partis. On va supposer par là. Ok, on active une nouvelle cybercapacité. Aïe. Arrêtez. Je peux prendre les trois en même temps. Ah non, on les fait péter, ok. J'ai mal entendu. Oui, non mais c'est bon. Ça se recharge très vite. Ok, boum. C'est pas du tout abusé comme capacité. Tu peux recharger en courant. Ok, oui j'ai vu même en multi, je crois que c'est un talent. Enfin, talent c'est pas le terme. Je sais plus comment ils appellent ça. Que... Hop, alors demain il y aura du Black Ops et de l'Assassin's Creed. Rien d'autre de prévu. Mais... Bon. Elle se téléporte devant moi, bah oui. C'est plus pratique. Non, regarde, il est juste là. Il y a même un copain. What? Pourquoi elle s'est vautrée? D'accord, merci beaucoup. J'ai sauté trop tôt, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Chope-le, vas-y. Oui, bah j'essaye, mais il se laisse pas faire. Le vilain. Ça n'a pas marché comme tu voulais, hein. Je pense que notre suspect rencontrera la faucheuse d'ici une quinzaine de secondes. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pas avant qu'on ait les informations qu'on veut. Je crois pas qu'il soit vraiment en état de parler. Il a pas besoin de parler. Il a une IDN. Enfoui sous plusieurs couches de protocoles de sécurité, l'IDN d'un individu stocke des vidéos de ce qu'il a vécu. Dans d'extrêmes circonstances, il est possible d'extraire ces informations par la force. Tu peux pénétrer dans la mémoire des porteurs d'IDN, dans leurs pensées, dans leur inconscient. Tu pourrais apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir sur les terroristes. Je sens qu'il y a un mais après ça. Disons que cette procédure n'est pas seulement traumatisante pour le sujet, elle crée aussi de graves interférences qui détruiront son cerveau. Il mourra. Crois-moi, c'est pas une mort agréable. Il est condamné de toute façon. C'est comme tu l'as dit. Et puis, c'est un putain de terroriste. Il y a quelques minutes, tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu sais maintenant? Je sais où ils sont. Ils utilisent les anciens tunnels pour préparer leurs attaques. Les gars de Zurich ont mis des semaines à découvrir ce que ton IDN t'a appris. Mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Bilan, boum le train. Super, tu prends des décisions difficiles quand il faut. Je crois qu'on peut passer à la suite. Ok. Alors bonjour aux nouveaux arrivants, on me demande ce que je pense du jeu. Pas fan des FPS. Après la mise en scène est... Bon ça se voit que c'est travaillé. Mais je suis pas vraiment fan quoi.